Et hop. Voilà, déjà de retour. Partie 13. Il y avait un point d'exclamation, mais j'ai pas eu le temps. On est toujours sur Twitch. On va dire que ça a trop anticipé. Et je loupe toutes mes attaques. Les enfants, puisque vous n'êtes pas gentils, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Allez là. On en profite pour faire un petit truc. Non, 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 non. J'avoue, je me suis concentré sur la campagne. Hein. Faut pas dire que j'ai badiné. Elle se remplit si vite que ça, la concentration, c'est ouf. En vrai, j'aurai moi aussi peu de latence. Ah ouais, parce que je suis en latence faible. Et je sais pas, des fois ça fonctionnait beaucoup au début, mais ça dépend des gens en fait. Tu sais, Vortex, depuis le temps, maintenant je suis en latence faible, la qualité du stream a un poil augmenté. Et avant c'était genre 3-4 secondes entre le viewer et moi en fait. Ah, ça je ne saurais te dire. Après on va m'accuser d'être anti-Apple. Écoute, tranquille, ça te va bien, parfait. C'est fini, oui. Les démons sont HS. Parfait. Je vous laisse vous occuper du reste. Parfait. Bon, du coup, on a pas de mission principale pour l'instant. Et une mise à jour de 5 gigas, je sais pas à quoi elle sert. Ah ouais, c'est vrai, à quoi elle sert cette mise à jour de 5 gigas, au fait, les gars? Y'a le quoi de neuf en mode photo? Oh, c'est stylé de ouf! Ok, inclinaison, tac tac, mise au point. Bon, rien de. Niveau du cadre, ça c'est pareil. Densité des yeux. Faut que c'est pareil ça. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Il est où le soleil là? Non mais non, mais non. Il peut faire un selfie comme ça? Ah ouais, ok, d'accord. Mais je vais... Non, mais je vais dégager l'autre appareil photo là, celui-là. Voilà. Ça. Oh, c'est stylé. Il a vraiment... Là, il a vraiment une pose comme ça avec les baskets et tout. Je le trouve très stylé. Très très stylé. J'aurais jamais à avoir le soleil derrière, c'est dingue quand même. Bref, on n'est pas là pour prendre des photos. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ah, une petite mission annexe, ça fait longtemps qu'on a pas fait une mission annexe. On va en profiter. Hop. Allez hop. On a aussi des compétences, on a plein de trucs là. On a masse trucs. Là, ça tombe pas mal. Ah, chargement, tiens. Ça tombe pas mal entre... C'est vrai que les gadgets aussi, il faut que j'améliore mes gadgets. Tellement de... Tant que je suis là, je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Faisons ça de suite. Peut-être un petit piratage. Ah oui, il nous reste du piratage dans le labo, non? Il me semble. Enfin, ce que j'appelle piratage, on se comprend. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser... Il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Ah, alors 5, tac tac, ok. On va commencer par le commencement. Attends, je comprends pas. Ça pivote, non? Ok, ça pivote. Ok. Ça paraît compliqué là. Ouais. On a 8 comme ça, donc si, je pense que c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ah si. Ah non. Eh ben non, parce que j'ai pas de verticale. J'ai pas de verticale, donc c'est pas ça. Quel est le fuck? Oui, donc ça, mon pote, ton esprit de déduction
peu commun. Attends, parce que là, justement, si je monte là, il n'y a pas de verticale. Donc non. Je peux en mettre à la verticale. Monter comme ça, je peux pas parce que je vais me bloquer ici. Donc je peux monter que comme ça. Et celui-là, il est pas... Quoi ? Et celui-là, je peux m'en servir dans ce cas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attends. Là, clairement, ils m'ont perdu. Et finalement, si je passe par là... Oh, mais il n'y a pas de verticale. Je peux pas passer à verticale. Ça veut dire que je peux passer ici ? Attends. Ok, tout va bien. Ah, heureusement que ça faisait longtemps. Voilà, ça va. C'est... Voilà. Ah, ça va mieux. Voilà, ça s'est enclenché d'un coup. Ça fonctionne là. Bizarrement. des barres. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, c'est bon les gars, c'est bon. Ça va marcher. On va tester ça. Tu sais, je disais, putain, y'a pas de pièce à la verticale, c'est dingue. Bah oui, ça pivote. Oh là là. C'est de la merde. Oh les gars. Incroyable. Ah ouais. Là tu vois, on aurait été 15-20, ça aurait été encore pire, tu vois. J'aurais encore plus. Je me serais fait flouder de mais non mais t'es teubé ou quoi. Mais c'est vrai, tu sais, je comprenais pas et d'un seul coup je fais. Ah. Ça c'est pas comme si c'était la première fois. Hein. Il y a suivre le signal. Mais je sais pas, j'ai totalement zappé le fait que. Le fait que ça pivotait. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime bien Gamaliel. Quoi. Un vrai cauchemar. Peau imperméable. Toujours les extrêmes, le mec fait des gens ultra hardcore, joue sans les aides des jeux de caisse, et bloque sur des trucs idiots. Comme ça. Attends, c'est par là. J'ai entendu un frein moi. Ah. Non c'est pas eux mais pourquoi il y a des trucs rouges en bas. Ah bah c'est eux. Là. Oh. C'est pas beau ça. Alors on se fait une petite virée. Ah ouais. Hein. Quoi. Même une moto. Bah. En même temps, c'est des bikers, tu vois. Ils en ont vu d'autres. C'est des hommes, des vrais. Juste sur le plaisir. Qu'est-ce que j'aime. En fait, ce que j'adore, c'est faire ça. Tombstone a dit que tu risquais de venir ici.
J'adore ça. Le gang de bikers, c'est fait. Maintenant, voyons le camion. Rien dedans. Il y a que des PS4. Des containers chimiques. Ah ah, Breaking Bad. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'ils pouvaient contenir? De la mettre. Et de ce la... marque la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce qu'on s'appelle. Méthylamine. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute illégal. C'est clairement dangereux. C'est tout. Oh, c'était rapide. C'est un petit entracte. Admirez-moi ce joli coucher de soleil. Digne du mois de novembre dans lequel on se situe actuellement. Eh, à force de jouer à Spider-Man, je commence à connaître Peter Parker. J'en peux plus. Magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est super beau. Pardon. Non, il est beau hein, le jeu. Il est bien. Il est, voilà. Ah là là. Mortex, il passe pas souvent, il va faire, mais en fait. Je comprends pourquoi je passais plus. Voici le genre d'appel que je reçois sans arrêt ces temps-ci. Parlez. Monsieur Jameson, je voudrais m'excuser. Avant, je pensais que vous étiez un alarmiste. Mais regardez ce qui est arrivé à votre demi-cyanure. Marcher dans la rue. Vous avez tout à fait raison. Et j'accepte vos excuses. C'est compréhensible. Vous vous êtes laissé embobiner par les médias de masse. Il ne marche pas. Il l'évite. Pas de soucis. Consommez sans poser de questions. Je n'étais qu'une voix solitaire et isolée à l'époque. Mais désormais, de plus en plus de gens comme vous réalisent d'où sort la vérité. Et c'est comme ça, mes amis, que nous allons reconquérir notre ville. Bien sûr. Ça fait. J'attendais qu'il finisse son petit speech pour... Oh, c'était beau ça. Voilà. Propre, net, sans bavure. On se mange beaucoup trop de chargement actuellement. Non, les pauvres viewers, ils vont me haïr quoi. Y'a quelqu'un? Parker. Tu arrives juste à temps. Ah bah voilà, le début de la fin. Trinqué. Trinqué? Attendez, où sont mes bras? Oh, wow. Trop cool. Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. Ouais. Vraiment, les enchaînements d'animation Martex, ça sont dingues. En moins d'une nanoseconde, plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Mais pourquoi il a fait un truc aussi glauque et dark, tu vois ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens. Ouais, je rush pas trop, Mortex. Ouais, je pensais que c'était la caméra qui allait vraiment me emmerder. Et sincèrement, non. Vite fait au début du jeu, finalement, c'est non. Impressionnant. On suit à plus de 15 heures et... Ah, mais il y a une petite erreur. Ah ah. Pic de voltage. Ça se corrige facilement. Voltage. Ça existe encore cette radio? Non, non, c'est bon. C'est parce que tu ne manques jamais. C'est parce que les membres normaux, c'est pour les fiottes. Bah ouais, faut croire. Là, clairement. Ah, bon pour moi. On va voir si ça marche. Mm-hmm. Non, c'est pire que ce que je croyais. Quoi? Ça va bien se passer. Ça va
bien se passer pas en fait. Je vais arriver par là. Je vais le faire ça. J'ai pas le choix. Ah ah. Attends. Ah ouais les gars, là par contre attends. On vire tout. Ça, on peut pas. Ça on est obligé de passer par du positif. On fait ça ici. On peut pas déjà. On fait ça. On fait ça. Ça. il est du père le pauvre. What the fuck? Eh ben, ce fut compliqué. Ah, le pic fait une cascade. Je sais pas si je peux arranger ça. Clairement. On peut pas. Vraiment pas. D'accord. Du cooks. Faudrait qu'on puisse passer par là. On va passer par là. Et on peut pas passer par là. Bien sûr que si on peut passer par là. Est-ce que je peux mettre un lien dans le chat, s'il te plaît? Évidemment. Ouais, j'ai 2T dans le top. Quoi? Ok, Mortax. J'ai 2T dans le top, GG. Ah oui. Ah oui. T'as 2T. Comment ça, t'as 2T? Incroyable. Quel est le sombre abruti qui a fait ça? Putain, c'est incroyable. Et voilà pourquoi je peux pas déléguer. C'est inadmissible. T'as Mortex avec 2T, incroyable. Oh là là, vraiment, il y a des abrutis sur cette chaîne. Oui, sachant que je la gère à 100%. Gamel réfléchit, c'est du sérieux. Putain de merde. Je mets ça en favori. Ok, hop. Favori direct. Et tu sais quoi? On va tenter de faire ça. On va faire ça. C'est pas bon. Docteur? Ah, il part sans cacahuète, ça y est. Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours, je crois qu'il s'en balèque. On cherche rien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Ça y est, il a pété un plomb. Le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Bon, dangereux. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. Alors un peu, oui. D'accord.
Ouais, j'ai plus de son. Vous en faites pas. On est presque. Vous avez du son, les gars? Il y a mon son qui a coupé en casque. Je vais continuer. Éliminer les bugs. Allez. Pars. Vous êtes sûr que ça va? Le mytho. Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Je pensais. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Moi qui venais de le calmer. Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Hop. Et voilà. Donc les gars, faut licencier ton stagiaire. Alors le truc c'est que mon stagiaire, bah c'est moi-même évidemment, je suis le seul à faire tout sur cette chaîne, à part Varek qui a la gentillesse de me faire mon overlay et mes deux plannings et mon écran de off. Du coup c'est de ma faute en fait. Le son de retour. Donc le son s'est barré. Désolé les gars. Écoute, si t'as plus envie de bosser là-bas, moi et Tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer. Et puis je me suis rappelé ce que mon père disait. What the fuck quoi. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Non mais c'est quoi tes mèmes là, putain, c'est pas possible. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Logiquement, Martex. Tu continues, si ça te convient pas. Le problème est réglé. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci Pete. Je dois y aller. Et j'en suis désolé. Vortex. A plus. Excuse-moi pour cette faute impardonnable. Et Figus, t'as vu? Ah bah c'est comme ça hein. J'ai mis un petit coup de fouet. De fouet. Un petit coup de fouet. Mais ça va parce que tu vois, il était baïonné. Sinon, quand je lui mets des coups de fouet, il fait un peu trop de bruit, tu vois. Félicitations, capitaine. Vous avez eu le poseur de bombe. On l'a eu. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous vous tuez à la tâche ces temps-ci. Vous devriez prendre des vacances. Je suis pas une grande voyageuse. Mais quand on aura bouclé tous les hommes de lit. Je ferai peut-être une pause. Pas d'avion, pas de valise, juste moi et mon lit. Vous êtes une vraie fêtarde. Mais bon, si c'est ce qui vous fait envie, vous l'avez bien mérité. Hop, hop. Voilà. Je vais essayer d'en faire d'autres. Oh, t'embête pas, hein. Mais en tout cas, ça me fait toujours autant de taper des barres. On enchaîne l'émission là, on est chaud. Incroyable, tourner autour du pot pendant 30 ans. Mais eux. Incroyable. Oui, il y a un décalage dans les samples d'ailleurs. Déjà, je me pose cette question. Pourquoi j'ai décalé son des samples? Ça va? Tout va bien? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? Oh, c'est... Bah, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvaises passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvaises passes? Oh, bien sûr, surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est elle vraiment qui tu es?
Hé, hey, monte le son, je vais écouter ça. Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grande Centrale. Quand est-ce que ça va finir? Tu es excellent. Attends. Peter? C'est là qu'il est bien celui-là. C'est vrai que celui-là est marrant. Voilà. Ça c'est bien, on peut déplacer les trucs instantanément dans l'écran. Voilà, par héros. Voilà. Putain, ça me fait taper des barres ça. J'adore. Laissez-moi un message. Je vais le laisser à quelques secondes. Rappelez-moi dès que vous pouvez. Pourvu que le souffle du diable soit encore là-bas et à l'abri. Le temps du trajet. Les démons ont trouvé le camion. Ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Non mais vous me tuez. Et sincèrement, c'est vous qui me tuez quoi. Qui a dit qu'on a besoin d'une communauté de 15 000 personnes pour se taper des barres? Pas du tout en fait. Pas du tout, t'as deux personnes sur le stream mais tu passes de bonnes soirées. Regarde que ton champ a l'impression que t'es défoncé. Faites que balancer droite à gauche en souriant. Mais je suis défoncé, évidemment. Pour trouver des vannes comme ça, Peter Parker, tout ça, il a régné. Pourquoi ça vibre comme ça la manette là? Allez! Disparition. Le souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Riker, il faut qu'on se dépêche. Grimpez! Qu'est-ce qu'il y a? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les portes sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Alors non. Et le raft? Ça ne peut pas aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance? Ai-je vraiment le choix? Putain, mais de ouf. Bah attends, mais du coup, je mets tout ça en favori, faut que je les... Je vais me faire une compile d'eux-mêmes, je pense. Tellement badass. Alors non les gars, rentrez chez vous. Dis-le. J'ai l'impression que votre plan d'évasion a quelques lacunes. Faudrait que je trouve un endroit où mettre des compiles comme ça. C'est grave. Ça a l'air grave. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lance-roquettes. Ouais, bien sûr. C'est grave. Je m'en occupe. Ils ont été vils quand même. Non mais arrête. À choper dans ce roquette et des armes. Si vous regagnez tout gentiment vos cellules, on fermera les yeux sur ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est con, toi. Ici le sergent Hanson, répondez. Y'a quelqu'un sur ce canal? Ici le capitaine Watanabe. Où êtes-vous? Au panneau d'accès électrique. Sur le toit, près du plan. Attends, Hiro, je suis à toi. C'est vous dans l'hélico? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il y a eu une panne de courant et tout est parti en vrille.
possible. Fameux spawn de courant. On y croit. Je trouve pas le lance-roquette, ça me stresse. Je suis où ? C'est bon. Oui, deux secondes. Ah les gars. Ok, je me prends une patate au calme. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. Ah j'avais, ouais tu sais pas mais j'avais un retard sur au départ en fait. J'ai commencé avec une demi-heure de retard. En fait, j'allais avoir un quart d'heure de retard sur mon stream. Et quand j'ai allumé la console à 20h13, oui 20h, et ben j'avais une mise à jour de Spider-Man. Sinon c'est pas marrant. Du coup j'ai commencé, il était ouais 30, un truc comme ça. Ça fait qu'1h35 je suis en live tu vois. Donc, on ira jusqu'à 22h30, pardon, je vais arriver. Bon quoi. Oh, je crois que je suis parti. Ok. Ils sont enfermés. Le qui dit notre photo, ça va quand même. Non mais tout est ouf quand même. C'était drôle ça. Ils arrivent, ils s'en prennent à ma voiture. Mais meilleure scène quoi. Je fais n'importe quoi. Ça, Hiro, il est au courant de ça, il sait ce que c'est. Ça, c'est la carte d'acquis qui me dit merde. Et vous savez que maintenant, 10 secondes, chrono en main, c'est réglé. Ah ouais, c'est normal, Mortex, en fait. C'est la carte d'acquis qui fige aléatoirement. Genre, ça peut figer une fois en 20 heures, comme ça peut figer 3 fois en 1 heure. Et du coup, on a l'image, hop. T'as rien maintenant, on règle ça en un coup de moustache. Tout va bien. Je fais pause instantanément. Je m'en rends compte parce que moi ça me fait figer aussi le son pour moi donc. Alors par contre deux fois de suite j'aime pas beaucoup là. Là ça me plaît pas beaucoup ça. ça me plaît pas. Eh t'as vu ? Plus tu règles vite un problème et plus t'as re un problème derrière. Vous avez remarqué ça ? Moi ça m'est arrivé souvent. En fait, t'as un problème, tu le règles, et soit t'as un autre problème qui se rajoute, soit en fait le problème revient beaucoup plus vite qu'avant. Le dernier même c'est par rapport à ton retard. J'ai pas cliqué ? Ah ouais. Prochain deuxième ça. Bah ouais mais là c'était tu vois. Alors, c'est bizarre les gars que ça arrive. What the fuck ? C'est bon, on peut jouer ? Incroyable. J'ai aucune idée de d'où ça provient. Hein. J'ai essayé plein de trucs, le changement de câble USB, changement de prise USB, il y a plein de personnes à qui ça arrive, etc. On n'a aucune idée d'où ça vient. Et je dois tous les éliminer. Donc je suis désolé. Et ouais, bah ouais, le retard. D'habitude, je suis que 2, 3, 4 minutes en retard. Et là, clairement, ça devait être qu'un quart d'heure, hein, vraiment. Si tout s'était passé comme prévu,
Bah j'aurais été là à 15. Mais voilà, mise à jour. Et encore, coup de bol que j'ai une bonne connexion quoi. Coup de bol. Ah, double problème les gars. Double problème. Alors j'avais déjà ce boîtier là quand j'ai fait mes 24 heures de stream. Comme quoi. Il se passe quoi là? Non. Carrément gros. Il commence à m'agacer sévère les gars. Mais non mais. Incroyable. Voilà de ça. Non. Un endroit aussi exigu, ça fonctionne. Hein. Le mec il s'est pressé de venir à côté de moi. Encore une poignée. Pour une poignée. Non mais genre une patate quoi. Pas lui que je voulais, c'était le mec au bouclier, bah enfin. Cet enchaînement. Ah, j'ai carrément plané quoi. Mais allô. L'enchaînement est ouf. Bon, c'est bon là. Alors, je clique, la malédiction de ton stream a une cause. Bah, disons, j'ai dû vraiment faire des trucs moches. À ce niveau-là. Putain. Non, mais non. L'accent du sud, mais non, mais les gars, l'accent du sud, quoi, arrêtez. Quand Gamriel dit exigu, c'est vrai que c'était exigu, non? J'adore votre optimisme, mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave. Attention! Ah! Je dirais trop le gars d'Infamous. Techniquement non. Mais même sur Twitter histoire de faire mal à tout le monde. Ok. Je les mettrai, je vous citerai. Il faudrait une petite galerie, tu sais, je vais pas les mettre sur Insta mais. Soyez les bienvenus à la fête, juste à temps pour le grand feu d'artifice. Ok. On dirait que le jeu commence vraiment maintenant, tu sais. Après 10 heures de jeu. Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Je crois que c'était la séquence de l'E3, ça. Il me semble. Ouais. Alors vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous, d'accord? S'il vous plaît. Ils sont tout rouges, ils sont pas beaux, ils sont vénères. Ah, ils ont volé quoi. Ouais, la caméra, moi. Là, dans les endroits exigus. La caméra peine un peu, mais bon.
Ah, j'ai vraiment vu pire. On se roule. C'est bon ? Voilà. Oh, le rhino ! Oh là les gars Surtension inattendue détectée. Équipe d'intervention requise d'urgence. Hey, quelle est votre situation ? Moi ? La merde. Oh ! Je suis coincé dans une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute ? Je suis en train de parler au téléphone. C'est pour le boulot. Ah, c'est vraiment le bordel. Ok. Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien ? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison ? La vidéosurveillance est presque rétablie. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Les gars. Hein ? Même moi, je comprends pas les enchaînements. Ah. Nos clients. Comme ça c'est fait. Salut Slasher. C'est encore en retard, c'est samedi. Okay. Ah oui, toi en retard, oui. Ouais, ça va. Arrive pour les dernières minutes de Spider-Man. Si tu me dis pour qui tu travailles, j'irai doucement, promis. J'ai pas tout compris, Slasher. Bon, on va anticiper. Je stream jusqu'à 23h. Et si je stream samedi, je sais pas du tout. Ça peut être dans la soirée, ça peut être dans la journée. I don't know. Mais vous serez au courant sur Twitter, Discord, etc. Et peut-être même Instagram si je suis chaud. Ok, c'était pas par là. Mais vous inquiétez pas. Ça va le faire. Eh, le bruit m'a fait flipper. Je fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc. Ah oui, il est parti par là. Ça me fait trop penser à une Femmes, vraiment. Et de ouf, hein. Même le, cet environnement, là, il y a une mission dans une Femmes, c'était comme ça. Vraiment, je fasse le 2 et puis le. Une Femmes et Gunson. Non, mais les gars. Désolé, pas le temps de causer. Les enchaînements en jeu cinématique, ça abuse quand même. Il y a la fin du jeu, mais c'est pas possible. Et ça donne quoi ? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Y compris Martin Lee. Ça nous fait donc partie de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature. Pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. Il faut que j'y aille. Il y en a qui prennent la direction de la ville. Oh, la plaie. Quand même. Non mais il est relou à faire ça. La fête est presque finie. Ok. Non mais laisse-moi le temps d'esquive.
Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe. Oui, c'est pas l'ancien, donc. Je suis membre d'un club. Oh là. Oui, je kiffe quand même. Oh, lui, non. C'est pour sommeil dans les Avengers. Tu peux rien faire là. On est même pas obligé de se battre hein, si vous voulez pas. Qui a dit de pas le tuer? Oh mais on en meurt d'envie. Wow. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez. Alors là... Demain, achète... Ah, t'achètes God of War demain? Je suppose que c'est ce que tu voulais dire, Slasher. Alors là, les gars... Oui, bah non, c'est quand même exagéré, non? La clique des 6, des 6, comme les Sinister 6. Pas du tout eux, mais... Attends, direct le jeu... Oh, il dépote, ok. Bah, je dis, moi, comme j'ai pas fait les premiers... Faire le 2, je pense, l'année prochaine sur la chaîne YouTube. Le 2, le 1, PlayStation 2. On dirait que le jeu démarre maintenant. C'est un délire. Toutes ces années, tous ces mensonges. La Vortex, mais t'es, attends, mais ça défonce celui-là. Là, vous êtes des ouf. Les gars, le jeu me fait halluciner, vous faites des trucs de ouf. Je suis en train de péter un plomb sur le jeu, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est pas possible. Mais non! Mais what? Ah les gars, soit c'est le début d'un jeu, soit c'est la fin d'un jeu, mais ça peut être le milieu! Putain les gars, c'est quoi ce jeu de ouf? Bah ça me paraît bien d'arrêter ici, non? Je pense, on va voir comment ça évolue là, mais je pense qu'on. Ah c'est bien! 24 heures plus tard. Ouais, je pense que c'est bien. 24 ans, c'était marqué 24 ans, je cachais tout avec ma grosse tête. Ici Marilyn Watson pour un flash spécial du Daily Bugle sur l'attaque du terroriste. À l'heure actuelle, ok, tout va bien. Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Comment ça a évolué de ouf ? Osborn a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie avant de le qualifier de fugitif. Évidemment. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis que...
qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. J'avais trop envie de mettre ça. C'est vu qu'on le voyait pas et tout. Je fais non, respect pour la cinématique quand même. C'est bien de troller, mais quand même, respectons la narration. Docteur Octavius, pourquoi? Comment ça a pu arriver? C'est un délire, hein. C'est un délire ce jeu. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cachés. What? Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de sable. Ils sont catalogués comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Ah ouais, pas mal d'XP. C'est quoi ces carrés rouges là? C'est quoi ce délire? Ah, niveau supérieur, niveau 28, c'est bien ça. Juste un truc, je voudrais checker. On était à 53% du jeu. Oui. Ouais, j'ai pas joué depuis une semaine, apparemment. Je suis là pour vous aider. Parfait. Et du coup, là. C'est pas vraiment statistique. Et c'est marqué là. Marqué sur la carte normalement. 60%. 7% seulement. On a seulement fait 7% du jeu ce soir. Mais non, mais. Camp de prisonniers. Mais oui, bien sûr, des camps de prisonniers maintenant. Évidemment, des camps de prisonniers. Évidemment. Incroyable ce jeu. J'hallucine. Pour prendre le contrôle de quartier. Excellent les compétences au niveau de jeu. Ah non, mais là. Menacer les résidents. Mais what? Je m'occupe d'eux. Autre chose ? Mais ce délire ! Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ah, bah c'est parfait les gars. Et du coup, ah oui, du coup, eux ils sont mauvais pour moi. Salut ! Ne vous en faites pas, je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. C'est n'importe quoi. Il y a un milliard de trucs à faire dans ce jeu. Plus t'avances, plus il y en a à faire. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a encore plein de trucs. C'est ridicule. Bon, les gars, c'est très très bien de s'arrêter là. C'est parfait. Comme ça, là par contre, pour le coup, je fais une micro-pause. J'ai pas fait de pause tout à l'heure. J'ai enchaîné les deux parties. Je fais une micro-pause de 3 minutes. Et toutes ces conneries m'ont donné très soif. Donc voilà. Pour ceux qui voient ça sur YouTube, comme d'hab, hein, lien dans la description. Pour nous rejoindre sur Twitch. Pour faire des mèmes en temps réel. Sinon, t'as pas. Sinon, t'es pas encore Tony niveau 18. Tu les as comment? Sinon, et pas encore tenu niveau 18, tu les as comment? Hein? J'ai pas trop compris. Tu peux reformuler, s'il te plaît, slasher, comme ça, le temps de la pause, je te laisse ce temps là. Tu peux reformuler et je te répondrai quand je reviendrai. Et du coup, ouais, donc tout les liens, blablabla, tout ça, tout ça, tout ça. On se retrouve dans 2-3 minutes pour faire du Tabletop Racing World Tour. Petit jeu de bagnole, tranquillou, micro machine style. Et puis voilà, comme ça on chill. Tranquillement. À de suite.